Et salut tout le monde, c'est Tania. On se retrouve pour l'épisode 15 de l'Esprit Serein et Éternel. Entre les deux épisodes, je me suis rendue à Vallée des Rois. Et donc, vous voyez ici, c'est le village principal. On a un donjon ici, un autre donjon ici. Et c'est pas mal ça. Sur la carte, vous voyez ici, c'est la Vallée des Rois. On était à Beau. Et je vais me rendre voir Derek parce que j'ai battu les protecteurs de la vallée et les sentinelles. Je vais prendre ça. Alors, il faut qu'on parle à Angie et à Ert. N'oubliez pas, j'ai pas encore trouvé de nom pour mon familier. Donc, n'oubliez pas d'écrire des idées dans les commentaires. Et je vais prendre le nom que j'aime le plus. Alors, il faut qu'on aille battre des voleurs et des mages Carmelia. Il y a eu une petite amélioration il n'y a pas longtemps. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est veiller loger tous les objets. N'afficher que les potions, ça va. Ah, tiens. Les potions, ça affiche pas les potions de santé. Ça fait juste les potions de soins et les potions de mana. Tiens. C'est un peu bizarre quand même. Mais bon, c'est notre bug. Donc là, on fait potion, ça affiche que les potions. Équipement, l'équipement, donc les armes et les armures. Ville. Il y a des enchantements. Truc un peu bizarre. Spécial, c'est ce qui est potion, je m'achète. Et tout, c'est tout le reste. Mais tout. En fait, c'est juste tout. Alors, faut combattre des voleurs et des mages. Je sais pas si le son pour cet épisode va être très bon parce que j'ai un nouveau casque et j'ai pas encore de nouveau micro, donc j'utilise l'ancien micro, mais il était sur l'ancien casque que j'avais. Donc le casque que j'ai en ce moment, c'est un autre casque, puis le micro il est comme sur la table. Donc il faut que j'ai un nouveau casque maintenant, il faut juste que j'aille le micro. Alors, on est presque à la moitié. Voilà. Presque fini. Ah, ça c'est mon trophée. J'ai équipé des trophées, donc j'ai équipé œil de cœur nul. Qui ça augmente les PM de 123, puis chaque attaque. Oups. Chaque attaque a 1% de chance d'étendre la cible, ça dure 3 secondes. Et là, quand ça se porte de Marie-Marie,
que ça augmente les PM de 26 et chaque attaque présente 2% de chance de transformer la cible en champignoïde. Donc c'est ça que ça a fait tout à l'heure. Et voilà. C'est fini. Qu'est-ce que j'ai de nouveau sinon? Est-ce qu'il est niveau 30 lui? Non, 28. Ah, je vais les parchemins, je pourrais améliorer. Ça, je vais pas améliorer. Est-ce que ça marche avec ça? Sérieux? Ok. Et ça, j'en ai 11. Eh bien. Alors, j'ai augmenté la robe au maximum. Voilà. Ensuite, il me reste 7. Ça y est pour maximum, je crois. Non. Là, elle est. Alors, je vais mettre ça. Je vais augmenter ça. Il va rester un parchemin. Bon, on va augmenter un peu les gants alors. Oups. Voilà. Alors, je vais mettre ça comme ça. Ça, c'est maître de Senana. C'est où ça, Senana? Ah, c'est au mont Arid, c'est ça? Ça doit être ça. Et j'étais en train d'informer Hert de ma progression. Alors, il faut aller battre des éclaireurs Carmella. Carmella. C'est où ça? Je sais pas. Il y a je sais même pas comment ça s'appelle. Je m'en rappelle plus. On va bien le voir, c'est un. C'est un élite. Il y a une élite. Salut, t'es niveau 34. Ça va être un peu dur de te battre. Hein. Bon, on va essayer. Ouais, ça va être très heureux même. Non, ça vaut rien. Ça vaut la peine d'essayer d'après moi. Allez, t'es capable, t'es capable. Oui. Et on a battu l'élite. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Une pensée idiote, deux saintes reliques et une boîte secrète de l'artisan. Forgeron renommé, ça c'est pour les vieux de guilde.
On n'a pas encore de ville de guilde. Et on est encore juste un dans la guilde. Je vais passer à Avène, je crois. Allez, je vais déposer quelques trucs et on se retrouve ensuite. Et donc, ça redemande. Je suis passée à Avène et je me suis rendu compte que j'avais pas encore. Ben, je me sais plus si je vous ai déjà montré le craft. Je regarderai dans mes anciennes vidéos. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai encore ça qu'on a reçu d'une mission au Mont Zaril, pour faire des potions d'accès de mana. Et on l'a pas encore fait. Alors, on va faire ça tout de suite. Alors, donc le craft, si je l'ai pas encore expliqué, je vous l'explique là. Si je l'ai déjà expliqué, ça fait vous allez l'avoir déjà entendu. Et ça va juste se répéter. Donc, vous avez besoin pour ça de. Pour faire de la craft d'une formule déjà. Donc, le craft, ça peut être pour les armes, ou les potions, ou encore, enfin, plusieurs trucs. Les armes, les potions, les armures. C'est quoi ici? C'est les gemmes. Il y a les enchantements, je crois aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Moi, ça va être une potion, donc c'est de l'alchimiste que. La marchande pharmaceutique que vous achetez. Ça. Moi j'ai formé une potion d'excès de mana niveau 1 ici. Et si vous passez votre souris dessus, ça veut dire que vous avez besoin de 5 énergies perdues et 2 cotons de jardin. Pour ça, je vais avoir besoin d'énergie perdue, qui est l'incantation, et de cotons de jardin, qui est la culture. Ça, c'est un plus qu'il y avait avec. Alors, ensuite, vous allez. Mettons là, j'ai besoin de coton de jardin. Premièrement, donc vous allez au marché agricole, vous achetez pour faire les marchandises et vous achetez quelque chose qui a du coton de jardin dedans. Donc moi ça va être ça. On peut faire 10 invocations à la fois en même temps. Commandes en même temps, donc faites attention de ne pas tout mettre. Donc moi je vais mettre mes cultures, mes travaux ici. Et je les commande tous. Voilà. Ensuite, j'ai des gisements. Donc, ça, c'est pour quand vous avez besoin de minerais. Donc, moi, je vais avoir du cuivre brut et du cristal pur. Pour l'acheter, vous allez dans Marchand de minéraux. Et vous achetez celui que vous avez besoin. Vous allez voir le mineur. Mission d'extraction. Et comme. Oups. Je recommence. Vous allez voir le mineur. Mission d'extraction. Et commander. Donc, ce que je vous montre là, c'est juste pour les niveaux de 30 et moins. Si vous avez, je crois, c'est ça. 25. Et on va voir dans les armes. Niveau 30, c'est ça. C'est niveau 30 et moins. Si vous voulez niveau 30 et plus, plus de niveau 30 plutôt, il va falloir aller dans les villes de guildes, c'est-à-dire faire G, trouver ville, maintenant vous cherchez ville. Et vous regardez, vous prenez, mettons celle-là qui a le moins de taxes ici, et vous entrez, et vous allez faire des crafts là. Donc c'est un peu plus compliqué par contre pour trouver les PNJ. Ensuite, il va me falloir de l'énergie perdue. L'énergie perdue, il faut faire des incantations, et ça c'est un peu plus loin, c'est pas dans la section de craft qui est ici, mais le paquet industriel. C'est par ici, là-bas. Vous voyez le cristal juste là. Et c'est ici pour les invocations. Vous vous achetez votre commande ici. Et vous commandez, et vous invoquez plutôt. Ici. Alors moi j'invoque.
Lucarne évoque un monstre qui apparaît, il faut le battre pour avoir la lutte. Alors j'ai reçu de l'énergie perdue. Et les monstres sont assez simples à battre, donc je les invoque en même temps. Mais souvent c'est un peu plus dur que ça à battre, donc invoquez-le un à la fois. Voilà. Et voilà. Alors on a reçu 12 fourrures d'animal sacré et 5 énergies perdues. Alors, vous voyez ici, c'est vos commandes. Alors, pendant que ça se prépare, on va continuer notre quête. Ouh, ça, c'est les pirates. Si vous êtes bas level et vous voyez des pirates comme ça avec la rare pirate, je vous conseille pas vraiment d'y aller parce que vous voyez, il y a des niveaux 62, 75, enfin comme ça, puis il arrive lui mettant, il est 58, puis il a perdu pas mal d'énergie. Alors ouais, je vous conseille d'attendre un peu, d'être assez haut level pour vous battre contre des éclaireurs ou d'avoir un bon stuff au choix. Alors, on va continuer nos quêtes à Vallée des Rois. Et il reste 17 minutes environ aux commissions. Alors, dans 17 minutes, on va pouvoir continuer à crafter. Les éclaireurs Carmella plutôt. C'est juste ici. Voilà. C'est les petites souris. C'est sur 10. Huit. Neuf et 10. Et notre famille est montée niveau 29. C'est très bien. On a reçu ça. Les cartes, je les garde pas. Hein? C'est le soleil se couche ou se lève? Je sais rien. Pourquoi il se couche? Enfin. Bref. Je sais jamais où l'ouest ou l'est dans ce jeu-là. On a gagné des passions et on a monté le niveau 36. C'est très bien. Voilà. Je vais peut-être améliorer résurrection. Ouais, ça a l'air bien. Parce que quand on l'améliore, ça augmente le pourcentage de PV que le joueur a en résistant et de PM. Donc au début, il y avait 1% de PV quand il résistait. Là, il y a 15% parce qu'il est niveau 15. À chaque fois que je l'améliore, il y a 1% de plus. Attends, là, avec 20% de PV. Je crois que c'est bien 30%. Allez, 35. Voilà. Il faut battre Zachary et Garth. Non, pas toi. Toi. Zachary devant nous en train de nous battre et nous on veut le battre. Voilà. Et Garth. Ah, notre famille a réussi à se rendre quand même.
C'est Widget. Ah, c'est vrai. Allez. Voilà, c'est quand même plus rapide comme ça. Et on va prendre ça. Ah, on a fini la série de 4. C'est bien, c'est bien. On va commencer à regarder un peu plus les titres. Agilité ou chance? Sagesse, je vais prendre sagesse. Alors, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah oui. Regardez à quoi on ressemble. Avec... Non, c'est vraiment laid. Bon. Tant pis. Tant pis. Alors, on va continuer les quêtes. Alors, on va voir l'alchimiste Jenna. Accepter et récupérer eau de verre. Eh bien. Ouais, finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Aven. Et je vais attendre là-bas que ça se finisse. Mais oui, je crois que je vous avais déjà montré en fait le craft avec la quête. Sûrement. Bon, ben, vous l'avez revu au moins. Et on va regarder tout ça. Fusion, c'est ça. Améliorer. Ah, c'est ça, gestionnaire de sac à dos. Non, archive. Ah oui, on a aussi ajouté la fonction tout archiver. Donc quand on fait tout archiver, tous les objets qu'on peut archiver s'archivent. Donc moi c'est l'alpaga prairie, de prairie plutôt. Mais il est déjà dans mes archives, donc ça peut pas l'archiver. Sinon... Regardez ça, fonction d'étal. Ok, on verra ça un peu plus tard. C'est pour faire un étal comme ici, mettons. Ils vendent des glyphes. Eh bien. On va peut-être. Glyphes de clair. Ah, c'est, ça a une durée de vie maximum, ok. Tant pis. Dans cette boîte mystique, on verra ça un peu plus tard. Et. Monnaie spéciale. Amour, c'est quand on est en couple. Étoile de gloire, c'est quand on fait des arènes. Alpaga, c'est un peu plus tard, ça. En fait, non, pas plus tard, mais quand on va faire des 4 répètes. Et métal de cristal, c'est quand on tue des. Boss. Quand on fait des guerres de territoire et quand on gagne en arène. Ok. Et ça, c'est une glyphe de classe. Ok. Ensuite, on a... Pourquoi il met un point? J'ai rien. Ok. Je voulais vous montrer quelque chose, mais il faut que je le trouve. Bonjour tout le monde. Donc, bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais vous montrer, mais ça finit. Les commandes sont finies. Donc, on va recevoir. Pour les recevoir, vous cliquez ici, vous recevez. Voilà, c'est tout. Recevoir, confirmer, recevoir, confirmer. Recevoir, confirmer, recevoir, confirmer, recevoir, confirmer, voilà. Comme ça. Ensuite,
Pour faire ça, il faut aller voir. Est-ce qu'on a tout? D'abord, on vérifie. Est-ce qu'on a tout? Énergie perdue x 5. Oui. Quand on est jardin x 2. Oui. C'est bien. Alors, pour aller. Pardon, pour aller faire ça, il faut aller voir maître du moulage ici. Monsieur d'Arsenana, vous donnez. Oh, ok, désolé. Mais ça, c'est pour tous les armes et tout. Pour alchimiste, par contre, c'est alchimiste. Monsieur d'Arsenana, vous confiez ça et commandez. Et voilà. Donc, j'ai reçu 10 potions d'excès de mana. Et on se retrouve tout à l'heure pour continuer nos quêtes. Oups, je me suis trompée. Désolée, ça va déjà être la fin de l'épisode. Alors on va déjà ranger tout ce qu'on peut dans le code, dans la bande plutôt. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, vous abonner à ma chaîne, à mon Twitter, à mon Facebook. N'hésitez pas non plus à laisser des idées de noms pour mon familier. C'était Tania, à la prochaine!